Donc je crois qu'en cette affaire, il faut garder la tête froide, prendre du recul, pas se faire mener par l'émotion, ce qui a été le cas pour la quasi-totalité des analystes. Il y a eu un processus de sidération mentale avec véritablement le pinacle, l'avènement complet de ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. C'est-à-dire que, un peu comme au moment du 11 septembre 2001, on a eu. Le monde s'est arrêté en France, et pendant au moins une semaine, voire plus, puisque au moment où vous m'interrogez, ça s'est produit il y a 8 ou 9 jours, les événements de Paris, tout a tourné autour de ça. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de gens qui ont dit que, enfin, il y aurait un avant et un après. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur la date, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est la date des événements, il y a des gens qui disent que c'est la manifestation qui a eu lieu en France, mais enfin, on pourrait dire qu'il y a un avant et un après. Je crois qu'il faut raison garder, parce que beaucoup d'âneries ont été émises par la classe médiatique, ainsi que la classe politique. Ça n'est absolument pas le premier attentat islamique d'importance en Europe. Il a été dit à plusieurs reprises que c'était le plus important qui ait jamais eu lieu. Je vais juste donner deux exemples dont on se demande si les gens ont un minimum de mémoire. Les événements qui se sont produits en Grande-Bretagne, qui avaient lieu à l'intérieur du métro, à l'intérieur des bus à Londres, où il y avait eu plusieurs dizaines de morts, et où l'Angleterre n'a pas arrêté de tourner, ni l'Europe, et où il n'y a pas eu de déplacement de chefs d'État venus du monde entier avec des manifestations de rue colossales. Autre exemple, beaucoup plus important encore, 2004, l'attentat de la gare d'Atocha à Madrid, où il y a eu plus de 200 morts. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, il y a plus de 200 morts, des centaines de blessés graves, etc. Les chefs d'État du monde entier ne se sont pas déplacés, la rue s'est pas arrêtée, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes, etc. Mais il n'y a pas eu de 2 à 3 millions de personnes. On voit fleurir toute une série de thèses avec des pseudo-experts, je ne vais pas dire là des médias, mais des pseudo-experts sur Internet. Internet, je l'ai toujours, c'est la plus grande bibliothèque du monde, mais on y est lâché sans gardien. Donc si on n'a pas une culture, on est prêt à gober tout. Donc en l'occurrence, moi je ne crois absolument pas, comme c'est développé par un certain nombre de thèses, à une opération, ce qu'on appelle false flag, une opération sous drapeau. Je vais sans doute étonner un certain nombre de gens. J'ai déjà dit que je ne croyais pas en général aux thèses complotistes. Le 11 septembre 2001, c'est complètement différent, en particulier au Pentagone, comme Thierry Messon, mais comme beaucoup d'autres. Moi, j'y ai participé dès le début. Dire que cette opération était connue depuis le début et que les services secrets américains et sans doute israéliens ont laissé l'opération se faire de manière à obtenir une réaction au niveau mondial. Là, je ne crois pas du tout qu'il y ait eu l'intervention d'un service étranger. Je ne crois pas du tout que le malheureux policier ne soit pas pris une balle dans la tête. Je ne pense pas que ce soit les services secrets français qui aient mis la carte d'identité d'un des frères dans leur voiture. Il suffit de regarder les films, il suffit de regarder les déclarations qu'ils ont faites avant. On a deux choses. On a des gens qui sont bien entraînés. On voit bien, ils savent manier les armes, ils savent intervenir. Mais d'un autre côté, ce ne sont absolument pas des professionnels comme seraient des membres des services secrets. Je donne juste 2 ou 3 exemples. Ils ne sont pas allés à la bonne adresse. Ils arrivent, on les voit, ils sont filmés à côté de leur voiture. Ils n'arrivent pas à remettre un chargeur dans leur Kalachnikov ou par exemple Koulibaly, son arme s'enraye. Je veux dire, des professionnels, les armes s'enrayent pas. C'est d'autres exemples. Ils ont des itinéraires de fuite, etc. Il y a quand même une grande improvisation. On veut les faire passer, en revanche, pour des fous. On voit partout, ce sont des malades mentaux, des fous, etc. D'ailleurs, il y a même eu un certain nombre de sorties qui ont été faites en disant c'est injurier les fous que de les traiter de fous. Bon. Ce sont tous sauf des fous. Et on sait d'ailleurs maintenant que ce ne sont pas des fous, puisque le porte-parole de Al-Qaïda au Yémen a revendiqué ces actions, qui ont donc été définies depuis plusieurs mois, et que ce sont des gens qui étaient passés par Al-Qaïda au Yémen, on sait qu'ils ont été au Yémen. Donc dire que ce sont des fous, c'est passer complètement à côté de l'analyse des faits. Ce sont tous sauf des fous. Ce sont des soldats de la foi, ce sont des soldats religieux, si on veut, avec chez les musulmans, dans la culture classique musulmane,
une fusion entre la sphère politique et la sphère religieuse. Je ne vais pas reparler de la charia, ce genre de choses, de l'islam. Il n'y a pas une division comme dans les pays libéraux, depuis le libertin, libéraux-libertaire, etc. Depuis, en fait, la théorie du progrès, la démocratie, les droits de l'homme, etc., créée par les Lumières, il y a une fusion entre la religion et le politique. Donc vous avez des soldats politiques, soldats religieux, qui ont été formés. Ce sont tous sauf des fous. Ce sont des gens qui appliquent, qui croient en ce qu'ils font, exactement comme à d'autres époques, il y a eu d'autres religions, en particulier monothéistes, qui ont pu avoir, par exemple, pour moi, ça s'apparente parfaitement aux croisades. Même si ça doit choquer des gens, ça s'apparente à ce genre de choses. Bon. D'un autre côté, on voit bien que ce genre de personnages sont des gens qui sont marginaux. C'est-à-dire qu'ils se recrutent dans un certain nombre de milieux. Donc ce sont des gens qui sont souvent en marge de la société. On comprend en général, quelqu'un qui a parfaitement réussi, qui a réussi à monter une entreprise, qui a des salariés, etc., il ne va pas en général se lancer dans le terrorisme. En revanche, ça a pu arriver, par exemple, à certaines époques, en France, dans la résistance, par exemple. On monte un réseau, on fait un certain nombre d'actions, mais on n'arrive pas à un endroit pour tuer toute une série de personnes, pas au hasard, mais je veux dire, ils n'avaient même pas le code d'entrée, ils ont été obligés de menacer une femme ou qu'ils n'ont pas tué pour pouvoir rentrer, etc. Il y a toute une série de choses comme ça. Donc ce sont des gens, on voit bien, la quasi-totalité, et d'ailleurs les trois personnages, étaient ce qu'on appelle les repris de justice. C'est-à-dire des gens qui ont été condamnés pour des cambriolages, des petits trafics en drogue, etc., qui se sont radicalisés, qui ont fait un retour vers la religion, en particulier dans les prisons françaises, et donc il y a tout un engrenage qui se crée. Il y a un autre phénomène que, pour le moment, ni les médias ni l'État n'ont voulu aborder, c'est que vous ne pouvez pas laisser plusieurs milliers, c'est pas du tout 1000, c'est peut-être 10 000 personnes partir se former au combat à l'étranger, c'est-à-dire devenir des soldats, un peu comme ont pu l'être d'une certaine manière, par exemple, les brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne. J'ai juste un exemple. Pour moi, ça s'apparente beaucoup à ça. Ce sont des jeunes qui partent et qui risquent de se faire tuer, donc ils partent en Tchétchénie, on l'a oublié, ils partent en Bosnie, ils partent au Kosovo, ils partent en Afghanistan, ils partent en Irak, ils partent en Libye, ils partent en Syrie. Ce sont des gens qui sont partis. Je ne prends pas position dans ce genre de choses. Je dis simplement qu'il y a des gens qui sont partis et qui combattent pendant qu'ils sont formés, donc à la différence des jeunes Français qui maintenant font plus de service militaire, le service national, et donc ils se retrouvent, ce sont des gens qui vont être aguerris, qui vont passer au combat. Et en plus, en général, par exemple avec Daesh, comme ce sont des gens qui sont d'origine étrangère, parfois régulièrement des convertis chez Daesh, c'est à eux qu'on fait faire exécuter les pires besognes, de manière à les mouiller au maximum. Et ces gens-là, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement français? Ça date pas d'ailleurs de François Hollande, ça date au moins de Nicolas Sarkozy. Ce sont des gens qu'on laisse revenir en France, qu'on ne condamne pas, qu'en général, qui ont continué à toucher le RSA, qui touchent les allocations familiales s'ils sont marchés, qui continuent à conserver leur logement HLM, etc., qui bénéficient d'aide, et en plus, on leur crée une cellule de soutien psychologique de manière à les réinsérer dans la vie active. C'est une aimable plaisanterie pour toute personne qui s'intéresse. Ça ne s'est pas passé comme ça dans toutes sortes de pays du monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça. La France est un cas particulier. Alors par ailleurs, la France, et c'est bien la France en elle-même, le gouvernement français, qui a décidé de renverser un chef d'État, le président Assad, qui dirige la Syrie, on a donc fourni des armes. On a fourni des instructeurs, soit des troupes spéciales, soit des services secrets, qui ont été chargés de former les pseudo-libérateurs démocratiques qui allaient intervenir en Syrie. Évidemment, dans ce genre-là, c'est exactement comme en Afghanistan, où la CIA et les agences de renseignement américaines, mais aussi la DGSE française, ont distribué des armes à des gens qui étaient... Il y avait à la fois le commandant Massoud, qu'on est toujours en train, parce que c'était très pro-occidental, très occidentalisé dans l'âme, et en même temps à des gens comme Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden a eu des missiles Stinger, etc. Un jour, une fois que les soviétiques sont partis, eh ben, ils se retournent contre les gens qui l'ont apporté de l'armement. Bon, ben là, vous avez des gens qui sont, pour un certain nombre, pratiquement partis avec l'aval des services secrets français là-bas, se former, on les laisse revenir en France. Ça veut dire que quand ces gens-là reviennent en France,
on a, pour moi, depuis une dizaine d'années, sans exagération, on a au moins 10 000 personnes qui sont formées au combat urbain, au combat civil, et qui ne sont pas atteints par la maladie des droits de l'homme, et quand on leur donne une claque, ils sortent leur flingue au lieu de présenter l'autre joue pour se reprendre une claque. Il y a une faillite totale du renseignement français. On pourrait dire que le renseignement français est relativement effectif, mais on ne va pas multiplier le nombre de fonctionnaires, en fait, etc. On a dit qu'il fallait entre 25 et 30 policiers pour suivre une personne, parce qu'il faut le suivre 24 heures sur 24, les 35 heures, les vacances, les policiers travaillent moins de 135 heures, etc. Donc on se retrouve dans les solutions. Bon, il faut les stopper dès le départ, ça paraît quand même évident. Bon, c'est la première chose. Et puis surtout, on voit que, par exemple, les deux frères, et ainsi que M. Koulibaly, ont été quand même repérés, surveillés, suivis, mis sur écoute, etc. Et puis un jour, on arrête, parce que c'est des gens qui savent quand même à peu près ce qu'ils font, donc ils réussissent à feindre. Donc ils vont, par exemple, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, pas trop aller traîner dans les mosquées, ce genre de choses. Enfin, ça paraît quand même le béaba de l'agent qui est bien formé. Bon, et on voit exactement, comme dans l'affaire Mira, comme dans l'affaire Kelkal, comme dans toute une série d'affaires, que les services de renseignement français sont totalement incapables d'apprécier à la juste mesure la dangerosité des faits. Donc normalement, on pourrait dire que M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, aurait dû démissionner. Pas du tout. C'est extraordinaire, on va parler ensuite. Il a gagné 15 points dans les sondages. Bon, on pourrait dire que M. Valls, devant cet échec, aurait dû démissionner. Pas du tout. La seule chose qu'il sait faire, c'est faire interpeller M. Dieudonné, qui a quand même strictement rien à voir. Il n'a pas formé les terroristes qui sont venus tuer les gens de Charlie Hebdo. C'est un humoriste. Bon. Alors en permanence, on nous explique que c'est pas ça. Bon, bon. Vous avez d'autre part la ministre de la Justice, Madame Taubira. Madame Taubira, trois jours après l'assassinat d'un certain nombre de gens, il n'y avait pas que les dessinateurs de Charlie Hebdo et l'intervention dans le supermarché juif en banlieue parisienne, Madame Taubira sort une circulaire qui était un peu diffusée dans la presse, dans laquelle Madame Taubira dit que en aucun cas des condamnations antérieures ne doivent être des circonstances aggravantes. Le seul cas dans lequel cette circonstance est aggravante, c'est le délit de xénophobie, de racisme et de révisionnisme. Enfin, elle appelle ça du négationnisme. C'est-à-dire des doutes historiques sur l'existence de chambres à gaz homicides. Je dis ça parce que je ne peux pas en dire plus sur ce genre de choses. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le terrorisme. Donc ça veut dire, et il y a quand même un certain nombre de commentateurs qui l'ont quand même remarqué, que ça ne sera plus une circonstance aggravante, par exemple en matière de terrorisme, d'avoir déjà été condamné avant pour terrorisme. Ce qui explique quand même, ce qui est absolument sidérant, c'est que quand même tous les gens qui sont intervenus, plus d'autres, la compagne de M. Koulibaly, l'imam radical qui les a formés, etc., tous ces gens ont fait de la prison et ont été toujours relâchés bien avant qu'ils aient fait leur peine de prison. Voire pire, en général, ils ont été impliqués dans un certain nombre de filières, dans un certain nombre de domaines, en fait, etc., relatifs au terrorisme. En général, ils ont été relaxés parce que la justice a jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc, on voit qu'avec ça, normalement, Mme Taubira aurait dû démissionner. Or, Mme Taubira absolument, ne se met pas en cause. En revanche, évidemment, on va poursuivre Alain Soral, on va poursuivre Dieudonné, on va marginaliser Marine Le Pen, etc. Bon, autre élément qui est quand même évident, vous avez un personnage qui a formé idéologiquement, je ne dis pas militairement, mais idéologiquement, toute cette équipe qu'on appelle la bande des buts de Chaumont. Ce monsieur est actuellement en formation pour devenir aide hospitalier dans les hôpitaux français. C'est-à-dire qu'il a une formation qui dépend du ministère de la Santé. Il a été condamné, il s'est mis sur son bras, 6 ans de prison pour terrorisme. Je ne sais pas, il en a effectué 3 ou 4. Il est aussitôt recruté, on lui paye ses études, et il va rentrer. Bon, on se dit, c'est pas possible. Il faudrait que Mme Touraine, quand même, démissionne, donc le ministre de la Santé, parce que c'est inadmissible d'admettre. Réponse, nous n'avons pas le droit de nous occuper, nous intéresser aux antécédents des gens qui passent les concours pour avoir des formations. On marche vraiment sur la tête. Vous vous retrouvez, pour finir, vous vous retrouvez avec quand même un
C'est un processus de sidération mentale, j'en ai déjà parlé. C'est le grand développement auquel on assiste, c'est le principe de gouverner par le chaos. C'est-à-dire qu'en permanence, on va envoyer des injonctions et des informations qui vont être à l'inverse, qui vont s'opposer les unes aux autres, de manière à atteindre un processus de sidération mentale, de manière à ce que les gens ne puissent plus réfléchir par eux-mêmes. Et à ce moment-là, on les ramène à un seul principe simple. Ce principe simple, c'est « je suis Charlie ». C'est exactement le même principe, on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est exactement le même principe qui avait été utilisé pour « touche pas à mon pote ». C'est-à-dire une micro-phrase qui explique tout. Alors, je lisais d'ailleurs Libération aujourd'hui, il y avait un éditorial où on disait « le prophète aussi est Charlie ». Enfin, Mahomet n'a jamais été Charlie, quoi. C'est n'importe quoi, et vous l'inversez, personne n'oserait dire Charlie et Mahomet. On vous dit, parce qu'il y a quand même une évidence, même si ce sont des fous, bah, tous les gens ont compris que c'est ce qu'on appelle du terrorisme islamique. Donc première injonction, la France du vivre ensemble, de la laïcité, nous sommes tous frères, les musulmans ne sont pas mis en cause. Donc ce sont deux informations opposées, diffusées quand même par les mêmes personnes, même si sous une certaine forme. Vous verrez ce qui va se produire, s'il se produit malheureusement d'autres événements de ce type, puisque je vous le répète, on a un certain nombre de bombes humaines qui sont lâchées dans la rue, et en particulier dans les banlieues. Donc partant de ce moment-là, les gens ne peuvent plus rien comprendre. On vous dit, d'un côté on vous dit noir, et de l'autre côté on vous dit blanc. Donc on vous dit, par exemple, il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit. Je ne mets pas en cause du tout la religion musulmane, comme d'autres pourraient mettre en cause la religion chrétienne, etc. Ça n'a aucun rapport. Je dis simplement qu'il y a des informations qui sont envoyées, émises par des gens qui savent très bien ce qu'ils font, de manière à ce que les gens ne puissent plus réfléchir par eux-mêmes. Le sommet étant atteint, par exemple, actuellement en Allemagne, où les Allemands, qui n'ont évidemment pas la même connaissance de la situation française, vous avez le mouvement anti-immigrationniste qui appelle Pegida, qui manifeste, et tous les gens ont pris des petits panonceaux « Je suis Charlie ». Et d'autre côté, vous avez les gens, où on retrouve même Angela Merkel, etc., qui sont favorables à la politique d'immigration, et qui ont également le petit panonceau « Je suis Charlie ». Ce qui fait qu'on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que ces événements annihilent absolument toute réflexion, et on est dans les vieilles théories, les vieux systèmes utilisés par le Parti communiste, par le Comintern, etc., avec le comité de vigilance des antifascistes, où, comme on a aujourd'hui, les crétins, par exemple, qui ont saccagé à deux reprises ma librairie, qui se proclament antifa. C'est-à-dire, antifa, c'est du réductionnisme total, c'est-à-dire qu'on voit tout à travers de l'anti-quelque chose. Et on réduit l'ensemble des causes à une seule cause. Donc là, tout le monde sait « je suis Charlie ». Bon, ben voilà, bon. Et si jamais vous dites « je suis pas Charlie », alors là, c'est gravissime, quoi. Je vais donner juste un exemple. Bon, moi, j'ai un de mes amis qui est enseignant. Il se trouve qu'à l'intérieur de son lycée, il est catholique, et considérant que Charlie Hebdo, il faut regarder par exemple le numéro spécial qu'ils ont sorti pour Noël, qui est un numéro ignoble, pornographique, infect, vis-à-vis de la religion catholique, du pape, etc., avec des dessins d'une obscénité totale, de Jésus, de la Vierge Marie, etc. Personne n'en parle. Bon. Ben, vous prenez ce monsieur, donc il a dit, je ne porterai pas le badge. Le proviseur de son lycée lui a dit « Je vais déclencher une inspection académique contre vous. » C'est pas un personnage, parce que j'ai vu d'autres exemples. On a par exemple, on dit qu'il y a 3 ou 4 personnes à la mairie de Lille qui auraient refusé de respecter, enfin de participer à la minute de silence, et notamment 2 qui seraient allés aux toilettes. Bon. Il y a une contractuelle à Paris, qui porte le voile et qui également a refusé cette minute de silence. Il n'est quand même pas indiqué dans les contrats de travail qu'on doit respecter une minute de silence. C'est quand même, enfin, on peut considérer que ça fait partie de la vie intime des gens et que je ne suis pas pour le cuménisme, ce genre de gens. Mais enfin, on peut quand même respecter ce que je considère que c'est une erreur, par exemple, on peut considérer ou prendre des lois contre le fait, par exemple, du port du voile dans une entreprise ou le port de symbole religieux, etc. Mais personne, je considère que personne n'a imposé le fait de porter le badge, je suis complètement crétin, je suis Charlie. Mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un portait un badge, je suis Dieudo? Puisqu'il y a notamment son site sur Internet qui s'appelle I am Dieudo, qui
qui veut dire je suis Diodo. Vous vous rendez compte, si aujourd'hui je mets un badge, je suis Diodo, je suis sûr de me faire casser la figure dans la rue si je sors. Et je vais sans doute être embarqué par la police. Bon. Et il y a toutes sortes de choses. En plus, par exemple, il y a un sociologue qui en a parlé. Admettons, c'est aussi ridicule. Vous sortez avec un badge marqué je suis partout. Bon. Qui est le nom d'un journal qui est paru avant et pendant l'occupation. Vous vous rendez compte ce que ça déclencherait comme phénomène? Bon. Ou je ne suis pas Charlie. Et ça ne veut rien dire. Et bien, il n'empêche que c'est la dictature de l'émotion. Et on fonctionne depuis 10 jours, exclusivement, dans la dictature de l'émotion. Quand vous pensez, par exemple, je vous parle juste de quelques phénomènes, enfin quelques événements, parce qu'il y en a tellement que c'est très difficile à suivre, parce que là, il a été proposé de faire rentrer les dessinateurs de Charlie Hebdo au Panthéon. C'est pas moi qui le dis, c'est Mme Jeannette Beaugrave, qui était ministre UMP de Nicolas Sarkozy, qui était la compagne de M. Sharp, et donc qui propose de les faire rentrer au Panthéon. Vous avez un autre personnage, je ne me souviens plus, mais enfin un personnage extrêmement important, qui a proposé que le 13 janvier devienne un jour férié à leur mémoire. Bon. Alors je ne sais pas s'il sera chômé et payé en plus. Bon. On nage dans le plus complet délire. Bon. Tout ça n'a strictement rien à voir, je répète, avec le 11 septembre, puisque le 11 septembre, il y a quand même eu plus de 2000 personnes qui sont mortes, largement plus, enfin, par exemple, 2000 personnes à l'intérieur des deux tours de World Trade Center. Enfin, c'est quand même autre chose. Par exemple, on pourrait dire que la France s'est quand même joué petit bras, quoi. Pour moins d'une vingtaine de morts, le monde s'arrête. En plus, c'est le nombrilisme français qui est extraordinaire, c'est que tout le monde marche dans la combine, et que vous ayez des dirigeants du monde entier, etc., qui se déplacent. Bon. Et pour en arriver à quoi? Pour en arriver à un procédure de le spectacle obscène de la marchandise. Puisque tout le monde a voulu faire croire que les chefs d'État et les différents ministres qui étaient présents, etc., ont défilé dans la rue à la tête de la manifestation. Or, quand on prend les films, etc., ils ont manifesté pendant 5 minutes, entièrement entourés par un cordon de police du GIGN, du RAID, etc., sans qu'il y ait aucun participant sur les trottoirs. On a mis la caméra le plus bas possible, et 200 personnes, pour donner l'impression qu'il y avait des gens derrière. Enfin, c'est purement du spectacle. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est le phénomène de récupération du spectacle. Au moins, ça m'évoque un événement, ça m'évoque le 22 avril 2002. C'est-à-dire le moment où Jean-Marie Le Pen a été qualifié pour se retrouver au second tour de l'élection présidentielle. Et là, vous avez eu un déferlement, la presse aux ordres, parce que c'est ça qu'il faut dire. Je dis toujours, en parlant de mes confrères journalistes, ils ne sont pas à vendre, ils sont à louer, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, la presse s'est mise aux ordres. Et l'ensemble de cette machine du système, ce qu'on appelle le système en tant que tel, s'est mise à fonctionner dans le même sens. D'ailleurs, je vous rappelle, l'Académie des sciences, qui théoriquement doit se préoccuper de sciences, de mathématiques, de physique, etc., avait pris position contre Jean-Marie Le Pen. L'association des victimes de l'Alliance, de l'amiante, avait pris position contre Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez, parce que tout ça, ça fait partie du non-dit, mais c'est pour ça qu'il faut reculer pour faire une analyse politique de la chose. Qui est le seul parti qui, depuis des années, dit qu'il y a un risque terroriste islamique en France? C'est le Front National. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Je ne prends pas position en disant ils ont tort, ils ont raison, etc. Je dis le seul parti qui le dit, c'est celui. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont exclus de la manifestation. Et après, vous avez Jean-Pierre Elkabbach qui va reprocher à Marine Le Pen d'avoir seulement manifesté à Beaucaire. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle était venue à Paris? Je veux dire, elle aurait été expulsée manu militari de la manifestation. Et vous avez le parti qui a en gros prévu tout, comme dans d'autres domaines, c'est pour ça qu'il continue à monter, qui maintenant est stigmatisé, une nouvelle fois. Et vous avez par exemple le premier secrétaire du Parti Socialiste, Cambadélis, donc qui est un trotskiste formé à toutes les ficelles, etc., des manipulations politiques, qui dit « Nous allons consulter les partis républicains ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, le Front National en est exclu. Donc dans le même temps, vous avez des gens qui vous disent « On défile dans la rue pour défendre la liberté d'expression ». Et dans ce système, il y a aussitôt une exclusion de un quart à un tiers de l'électorat français. Et personne ne trouve cela choquant. Le Front National actuellement est inexistant. Personne ne les interroge là-dessus.
ils ont des petits créneaux, etc. Mais personne ne veut dire que ce sont les seuls à avoir averti à l'avance ce qui allait se produire. Mais c'est bien connu, on a toujours tendance à museler, à mal considérer les gens qui ont fait les prophéties qui se rallient, mais ce sont des prophéties négatives. Autre élément dont personne ne parle. Par qui sont financés les groupes terroristes qui se trouvent en Syrie, en Irak, au Yémen, etc. Ils sont financés par des pays ou des milliardaires ou des ministres ou des gens extrêmement importants, la nomenclatura d'un certain nombre de pays pétroliers. Il est admis aujourd'hui que la déstabilisation de la Libye, de la Syrie, etc., a été financée par le Qatar et a été financée par l'Arabie Saoudite. Or, le Qatar bénéficie d'une exemption fiscale totale en France pour toutes ces opérations. Ce sont des gens qui sont en train de racheter la France. D'un côté, vous avez les Chinois qui en rachètent une partie, de l'autre côté, le Qatar. Très simple. Donc, ces gens-là, leurs services secrets sont étroitement liés, formés, travaillent en coopération avec les services secrets américains. Personne ne met en cause, à aucun moment, la politique qui a été suivie avec un aveuglement total pour coller au Qatar. Je pense que, par exemple, la banderole qui était en Corse, qui a été par un club de supporters qui disait « Le canard finance le PSG et le terrorisme », on pourrait dire que c'est la réaction du peuple, du bon peuple, qui se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais tous ces problèmes sont volontairement évacués par les gens qui ont mis au point cette manifestation monstre. C'est pas la peine, je considère qu'il n'y avait peut-être pas 3 millions de personnes, il n'y avait quand même peut-être qu'un million et demi, etc. Mais c'est pas la peine d'ergoter sur ce genre de choses en disant qu'ils étaient moins nombreux qu'à la manif pour tout. Il faut reconnaître qu'il y avait quand même énormément de monde, que ça a été organisé en 3 jours et que les gens n'ont pas été trop transportés par car, etc. Ils sont venus eux-mêmes, on ne peut pas dire. Mais en revanche, là où on voit, vous avez tous les analystes, tous les hommes politiques, vous avez les journalistes, toute cette nomenclatura qui dirige ce qu'il faut appeler le système. Tous ces gens-là ont dit c'était la France de la fraternité, la France du multiculturalisme, la France de l'intégration, la France de nos valeurs, la France black-blanc-beurre. On était retombé à la victoire de la Coupe du Monde de football, etc. C'était un grand moment de laïcité, de démocratie, de républicain, des droits de l'homme, etc. Toute cette antienne, on ne peut plus, quoi, qui ne tient pas. Si vous regardez la manifestation, et pas moi qui le dis, vous prenez les seuls gens qui l'ont compris, enfin, qui ont quand même fait des articles dessus, c'est le journal Le Monde et Mediapart. Mediapart l'a parfaitement analysé, ils n'en tirent pas les mêmes conclusions, mais c'est quand même des journalistes, comme ce sont des journalistes transquistes, ils font des bonnes analyses, mais ils ne tirent pas les mêmes conclusions que nous, c'est tout que moi en tout cas. Ils disent que c'était la France blanche, blanche, blanche. Donc, évidemment, à la télévision, c'est pas compliqué, les rares imams, qu'est-ce qu'il y avait comme imam? Il y avait peut-être 4, 5 imams, or il y en a des milliers en France. On les a filmés. Et les rares femmes voilées, on les a filmées pour essayer de se rassurer. Et on a eu tendance systématiquement évidemment, l'imam, qui n'est même pas un imam, M. Chelgoumi, alors là, il est sur toutes les télévisions, comme il est au dîner du CRIF, c'est absolument parfait pour l'interroger. C'est l'imam de service qui émerge. Or, il a un parcours quand même très particulier sur lequel je reviendrai très prochainement dans Fait et Documents. Mais donc, la France des banlieues n'a pas défilé. Et quand on vous dit qu'il y a eu, je ne sais pas, 200 petits événements dans les écoles, etc., c'est absolument faux. Moi, j'en ai parlé à 4 enseignants. Il se trouve que ce n'est pas des enseignants qui étaient Charlie, comme on dit aujourd'hui. Charlie, ça veut dire on peut faire n'importe quoi. Tu es Charlie, bon, bah, tu me laisses ta place dans l'autobus. Tu es Charlie, donne-moi 10 euros, donne-moi une cigarette si tu es Charlie. Enfin, c'est une espèce de... Donc, tous ont eu des problèmes dans leur classe. J'ai vu que 4 enseignants. Les 4 enseignants ont eu un certain nombre d'élèves qui ont refusé cette minute de silence. Comme ces enseignants trouvaient que cette espèce de cérémonie, je suis Charlie, etc., ils leur ont dit, vous sortez discrètement dans le couloir et vous revenez au bout de 2 minutes. Il n'y a pas eu de sanction prise, mais je suis certain qu'il y en a eu des milliers. Des milliers. Parce que cette France
laïque, moderniste, tournée vers le progrès, libéralo-libertaire, favorable au mariage homosexuel, favorable à toutes les déviances, favorable à l'avortement, favorable à la procréation médicale assistée, etc. Il y a toutes sortes de gens qui sont choqués par ce qu'on appelle, entre guillemets, cette modernité ou cette postmodernité. Partant de là, ces gens-là ne se sont pas concernés. On dit, on ne peut pas les stigmatiser, ou les gens disent, je ne vais quand même pas défiler parce que... Enfin, la réalité, elle était là. C'était une France blanche, blanche, blanche. Qu'est-ce que c'était ? C'était les derniers héritiers de mai 68, les enseignants et des jeunes manipulables. Alors, ça représente évidemment beaucoup de monde, puisqu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils doivent nier cette peur, puisque pour eux, Lucchini a une très belle phrase. Fabrice Lucchini, qui est un acteur exceptionnel, grand célinien par ailleurs. Fabrice Lucchini dit « Pour l'homme de droite, l'étranger commence à mon voisin de palier. Pour l'homme de gauche, l'étranger commence en Afrique. » C'est quelque chose comme ça, pas moyenniste, lui. Bon, ces gens-là ne peuvent pas admettre que l'immigration forcenée qui est en France depuis un certain nombre d'années, déclenchée par le regroupement familial décidé, il faut toujours le rappeler, par Giscard, Chirac et Poniatowski, c'est les trois qui ont signé le document, a provoqué une immigration déraisonnable qui ne permet plus une intégration. En plus, depuis 8 ans maintenant, 8 ans déjà, même 9 ans maintenant, il y a une crise, ce qui fait que toute une série de personnes ne sont plus intégrables par le travail, ne sont plus intégrables par le service militaire qui a disparu, etc. Ces gens-là sont dehors de la société. Donc il ne faut pas s'étonner si... Donc ces gens-là ne vont pas aller défiler pour quelque chose qui ne les concerne pas. Alors, il y avait beaucoup de gens, mais si vous voulez, je vais me faire prophète, ce que j'aime pas. Si vous voulez, moi j'ai eu l'impression d'assister, j'y suis évidemment pas allé, j'avais quand même du travail, au cours de cette manifestation de dimanche dernier. Je pense que ce seront les mêmes gens qui seront... C'est une espèce de... Serge Julie, Henri Weber, je crois, enfin, des gens qui sont devenus des libéraux libertaires, souvent millionnaires, avaient écrit une répétition générale à propos des 68. Mais 68 est une révolution générale, puisque la révolution devait, dans la théorie trotskiste, arriver dans les 2 ou 3 ans après. C'est une espèce de messianisme à l'envers. Pour moi, la manifestation à laquelle on a assisté dimanche... C'est la manifestation qui aura au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est-à-dire quand, selon moi, Marine Le Pen sera qualifiée au second tour. Et à ce moment-là, vous aurez cette même France qui va descendre dans la rue. Donc c'est une espèce de répétition générale. Et je pense qu'on va voir refleurir, peut-être qu'ils vont essayer de les faire durer, on reverra les badges « Je suis Charlie », quoi. Mais en même temps, les gens vous diront « Non, je ne suis pas Marine », quoi. Voilà. Et ça, ça choquera personne. Il y a un autre point, je pense, qui... Enfin, il y a un point qui est quand même un point assez important sur l'histoire de Charlie Hebdo. On vous présente maintenant les gens de Charlie Hebdo, on dit ils étaient bons, ils étaient gentils, c'était des humanistes. D'ailleurs, on découvre que un certain nombre étaient membres du Grand Orient de France. C'est quand même étonnant. Et d'ailleurs, Bernard Maris, donc, qui a été exécuté, qui lui avait été en train d'évoluer puisqu'il était en train de faire un retour à la religion catholique depuis le décès de sa femme, qui était la fille de Maurice Genevoix, et qui avait publié un très très beau livre sur la vision de la guerre de 14 par Maurice Genevoix et Erzjunger il y a 2 ans, un ouvrage tout à fait intéressant, et d'ailleurs qui avait publié également un ouvrage à propos de Michel Houellebecq. Bon, c'était un type qui était Houellebecq, c'était un type, enfin un homme, Bernard Maris, qui était en train d'évoluer. Bon. Et Bernard Maris était intervenu le mois dernier comme orateur au Grand Orient de France. Comme chacun le sait, je publie les listes des gens qui participent. Évidemment, il n'était pas indiqué comme franc-maçon. Il était indiqué que, bon, il faut qu'il soit mort pour qu'on découvre qu'il est franc-maçon. Ça laisse quand même voir un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez, parce qu'il y en a eu beaucoup de publiés, on dit oui, il n'y a pas de droit. Enfin, il y a une suppression de la législation sur le blasphème. Donc il y a un droit au blasphème, c'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi sur les religions. Bon. On pourra dire quand même que Charlie Hebdo avait l'habitude de s'attaquer au monothéisme, aux grandes religions monothéistes. Enfin, il y en avait quand même une à laquelle il s'attaquait jamais,
qui était le judaïsme. Et le seul, qui n'est pas un type que j'apprécie particulièrement, le seul qui s'était permis de faire un certain nombre de remarques sur la chose, notamment le mariage du fils de Nicolas Sarkozy ou ce genre de choses, ou défendre les Palestiniens, c'était Siné, qui était un auteur historique, puisqu'il venait de Harakiri, et il était passé à Charlie Hebdo, et c'était vraiment une personnalité. Et d'ailleurs, depuis, il avait donné des interviews en disant que les gens de Charlie Hebdo bouffaient à la table des grands, que c'était des pourris, etc. Et lui, on ne l'a pas interviewé depuis. Hein. Personne n'est allé le voir pour lui poser des questions. Siné a été viré, licencié, dans de très mauvaises conditions, de Charlie Hebdo. Aucun dessinateur n'est venu le défendre, évidemment, du reste de l'équipe. Et on oublie de dire que Siné a gagné son procès, puisque ce n'était pas un motif de licenciement. Donc, ils avaient géré qu'ils avaient une liberté d'expression à géométrie variable. Bon. Il faut rappeler aussi que Charlie Hebdo a quand même été à l'origine d'une pétition qui a recueilli, dit-on, 650 000 signatures, dont l'objectif, enfin, c'était inscrit dans la truc, c'était interdire le Front National. Bon. C'était, il y a la fameuse réflexion de Charbes, quelques semaines avant qu'il décède, en disant que de toute façon, il était contre la liberté d'expression et qu'il fallait couper les couilles aux racistes, aux fascistes et aux révisionnistes. Donc c'est très très clair. Donc évidemment, ces gens-là sont des humanistes. Je dirais qu'ils avaient une liberté d'expression à géométrie variable. Et aujourd'hui, la seule chose, Jean-Marie Le Pen n'a pas fermement remarqué, il y a eu une énorme manifestation avec 1,5 million, 2 millions, 3 millions de personnes en France. Tout ça n'a aucune importance. Le seul résultat effectif, alors que je le répète, il y a eu une faillite du ministre de la Justice, une faillite du ministre de la Santé, une faillite du ministre de l'Intérieur, une faillite du Premier ministre, une faillite du Président de la République. La seule chose à laquelle on est arrivé, on a eu Dieudonné, sur lequel on ne peut pas dire qu'à une époque j'ai lui été très favorable, puisque je lui avais consacré un long portrait, puisque lui-même était candidat antifasciste contre Marie-France Tirebois, en Eure-et-Loire, etc. On a eu le seul résultat de l'opération pour le moment, c'est qu'on a eu une douzaine de policiers qui sont allés interpeller un comique que certains peuvent ne pas apprécier, etc. Mais enfin, personne ne va faire de Dieudonné un philosophe. Hein. Je suis désolé, il n'est ni sociologue ni philosophe, c'est un comique. C'est un amuseur de foule. Vous avez une douzaine de policiers qui sont allés l'interpréter. Pour un tweet, il n'a pas dit « je suis Charlie Coulibaly ». Il a dit « ce soir, je me sens ». Donc c'est une sensation. Bon, c'est quelqu'un qui a interpellé, il va passer en correctionnel. La seule personne qui a été citée nommément, il n'a pas cité nommément, il a dit un amuseur de haine, etc., dans son théâtre, etc. La seule personne qui a été visée par Manuel Valls dans son discours à l'Assemblée nationale, c'est Dieudonné, en disant que c'était insupportable, qu'il fallait l'interdire, qu'il fallait l'empêcher de parler, etc. Je ne vois pas le rapport entre Dieudonné et le terrorisme. Je dois être débile. Et je ne vois pas le rapport, et je ne pense pas que ce soit lui qui soit armé. Dire, ces gens, ils ont été formés par Al-Qaïda au Yémen, ils sont partis combattre là-bas, je ne vois pas le rapport. Et bien, il n'empêche que c'est lui qu'on arrête. Je pense que les services de police français feraient mieux de faire leur travail, c'est-à-dire s'intéresser aux terroristes, plutôt que de s'intéresser à un commis. Mais tout ça, c'est, vous avez dans toutes sortes, maintenant, dans Libération, dans Les Inrecuptibles, dans les médias, etc., dans toutes sortes de gens, on vous dit non, mais c'est pas le même humour, parce que ça n'a rien à voir, etc. Ces gens défilent pour la liberté d'expression, mais ils veulent restreindre cette liberté d'expression. Et ça me rappelle tout à fait ce qui s'est passé pendant la période révolutionnaire, c'est-à-dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc les gens qui ne sont pas avec vous, puisque ce ne sont plus des citoyens, ce sont des bêtes humaines, on peut les abattre. Et ça aboutit à la Vendée. Et donc je pense qu'on va aller vers une situation très difficile en France, parce que le pouvoir socialiste, avec la complicité des médias, de la caste oligarcho-mondialiste, etc., l'hyperclasse mondialisée, va faire les pires ennuis aux derniers patriotes français.